Écoutez, parce qu'il y a une discussion que j'ai eue avec Simon et Nico qui n'a pas été passée, qui était très importante. Justement, et en plus, vous auriez pu comprendre plein de choses. Je vais voir Nico et je lui dis, Nico, je suis déçu de comment tu te comportes ici. Il me dit, moi, si je suis déçu, tu viens pas me voir. Je fais, Nico, t'es H24 avec Cass et Simon. Mon ex, c'est son mec. Alors, même si on est censé être en bon terme et que limite on était devenu copain avec Simon, je vais pas venir te voir quand vous êtes tous les trois, c'est un peu gênant. Il me dit, oui, mais en gros, si je viens, ça va faire des problèmes. Nicolas Lozina me dit, si je viens te voir, ça va me faire des problèmes. Je dis, pourquoi ça va te faire des problèmes, frérot? Il me dit, bah, parce que Cass, elle veut pas trop. En gros, elle me fait comprendre que Cass, c'est... Et je lui dis, Simon, c'est pareil. Il vient pas me parler parce que Cass lui interdit. Il me dit, c'est un peu ça. Moi, ni une, deux, je vais, j'attrape Simon. Je dis, Simon, s'il te plaît, viens, on va parler. On a une discussion avec Simon. Je lui dis, frérot, t'as pas le droit de me parler, en fait. C'est quoi? T'es un collier, genre. Elle tire la laisse et toi, t'as le collier. Et il rigole, il me dit, ouais, non, mais c'est pas vraiment ça, mais oui, c'est un peu ça. Si je veux pas de problème avec Cass, j'ai pas le droit de te parler, en gros. Je dis, donc, t'as pas le droit de me parler. Genre, donc, gros, ta meuf est interdite de parler aux gens. Je dis, c'est une dinguerie, ça. Je dis, moi, si ma meuf... bon, là, c'est un peu compliqué, mais je sais pas, si ma meuf, elle veut parler à Cass ou quoi, genre, elle fait ce qu'elle veut, genre. Et je dis à Simon, je dis, donc là, t'as un collier, genre, t'es comme un chien, il me laisse. Il me dit, non, c'est pas ça. Je dis, donc, moi, je te dis, Simon, c'est dommage, parce qu'on était devenus limite copains et tout. Après, voilà, moi, j'ai pas besoin... Je m'en dis l'amitié de personne. Mais... Voilà, il y a pas eu cette discussion, enfin il y a eu cette discussion, elle a pas été montée. J'étais dégoûté. Pareil pour Nico. Nico me dit, ouais, je suis triste, non, je peux pas te parler. En gros, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient pas le droit de me parler, les deux. Et en fait, c'est pour ça qu'après je dis mouton et tout à Jordan et tout. C'est pas sorti de nulle part. C'est parce qu'en gros, Nico et Simon m'ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de me parler pour ne pas avoir de problème dans leur clan. Mais frérot, tu peux pas me dire que je viens pas dans ton clan, limite, et que je te donne pas d'attention et que t'es déçu de moi si t'as pas le droit de venir me parler parce qu'on te l'interdit.